Je m'entends pas du tout avec ma femme et tout a commencé depuis la choupa. On verra, les problèmes ça commence pas depuis la choupa. La choupa c'est quand même le moment. Ouais. Alors comment tu veux dire que ça a commencé? Il dit oui, oui, oui. Il dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux dire que ça a commencé sous la choupa? Je vais t'expliquer. Ouais, eh bien, on était, moi j'ai attendu à ce moment-là toute ma vie. J'ai mis le costume, j'étais vraiment préparé, je tremblais comme ça sous la choupa, j'étais. Comment t'étais sûr? C'est incroyable, t'étais stressé, vraiment. Et d'un coup, ma femme, elle arrive, radieuse, magnifique. Et j'entends un portable qui sonne. Oh, quand même, les invités, c'est blatant. Les invités, quand même, ils pourraient éviter d'avoir le portable au mariage. Mais t'es en silencieux, mais t'es en vibreur. Non, pas du tout. Pourquoi? Et ils se rendent compte que quoi? C'est sa femme. C'est sa femme. Elle dit quoi sur la robe de mariée? Et attends, le rabbin, il commence à faire les prières. Et la femme, elle dit quoi, Biro? Allô? Elle dit, attends une seconde. Allô? Oui, comment ça va? Ah non, mais écoutez. Et comment ça passe? Attends 2 minutes. En plein mariage maintenant. En plein mariage, elle commence à répondre au téléphone comme ça. C'est quoi l'histoire? Et là, il dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Et le rabbi dit, madame, qu'est-ce que vous avez pour votre défense à dire? Et il répond, c'était un appel très important. C'est quoi? J'étais obligé d'écroger, c'était un appel important. Il y a un problème dans quoi ici? Il y a un problème dans l'implication. Quand est-ce qu'on va décider de se mettre en mode avion? Bon, quand on est dans l'avion, mais c'est parce qu'on a pas obligé. Mais aussi quand on est impliqué dans une situation importante. T'as pas envie d'être dérangé. Quand est-ce que t'as pas envie d'être dérangé? Quand tu dors, t'aimes pas être réveillé. C'est vrai ou pas? T'aimes être réveillé? Si je frappe à ta porte, je dis ah, ouvre-moi! Je veux faire les chaïms, il est 4h du matin. Ça veut dire que tu veux kiffer ou pas? Non, bref, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Oh non, donne, tu m'ouvrirais la porte quand même, c'est moi. Oh! Ça dépend qui c'est qui frappe. Il va me frapper après. Maintenant, imaginez-vous une autre situation. Ok, là on était dans le soft. Situation un peu différente. Il y a mon. Hein? C'est vraiment soft? Bah oui, ouais, ça peut dégénérer. Une autre histoire comme ça. Imaginez-vous que maintenant je suis dans une situation où vraiment le rabbin me dit écoute, très important, Shmuel. Tu vas monter à l'Abima et tu vas dire ce que tu pensais de la personne qui est partie à la Vachalom. Elle est partie de ce monde. Il y a toute ta famille qui est là, tout est présent. Je dis plaisir, bien sûr. Je monte à l'Abima et d'un côté, on voit que j'ai mon iPhone. Je suis en train de regarder un match de foot. C'est quoi l'Abima? L'Abima, c'est le. Là, on pose. Le rabbin fait le discours. Donc il y a un problème, il y a encore un problème. C'est quoi le problème encore? Implication. Il y a un problème d'implication. Kavod. Des fois, quelqu'un il te parle, tu dis oui, bien sûr. Et t'es comme ça, t'entends rien. T'es là, mais t'es pas là. Des fois, t'es avec ton téléphone à la synagogue, tu fais la prière d'Arvit, tu mets ton téléphone sous le sidour, tu dis c'est bon, maintenant je prie l'Amida. Et toutes les 2 minutes, je suis des gens, je suis là. Non, j'ai regardé personne, je regarde mon livre. C'est ça le message en plus. La paracha de Noach, elle vient te donner un enseignement de folie. Elle te dit « Bola Teva !» Tu as un problème, sache t'impliquer dans la vie. Même si c'est lourd. Ta femme, elle veut te dire un truc peut-être simple. Concentre-toi, secret du Shalom Bayit. Écoute-la comme si c'était le moment de l'année Hila de Yom Kippour. Il y a d'argent, c'est tout. Il y a ta vie. Exactement. La prière. Exactement, la prière, c'est aussi comme ça qu'on doit penser. Dan, quand tu es concentré sur quelque chose plus qu'autre chose, combien de fois on fait des brachas? Des fois, je fais, allez, vas-y, merci pour les rébats, je colle les 1000 €. Ça va? J'ai même pas pensé à ma bracha, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, c'est peut-être mécaniquement, mais j'ai même pas pensé à un seul mot de ce que j'ai dit. Et pourtant, j'ai sanctifié le nom de Dieu là, le pauvre Dieu. J'espère qu'il a d'autres sanctifications que les miennes. Donc il vaut mieux ne pas la faire alors? Non, il vaut mieux la faire et s'arrêter. Quoi? Alors quoi? Si tu déçois que tu as des mauvaises notes en classe, c'est bien quoi? Mieux vaut ne pas faire le devoir? Dan, t'es à l'école. Non. Ton fils il te dit, papa, j'ai des mauvaises notes. Qu'est-ce que je fais? J'arrête l'école? Hein? Tu peux dire quoi? J'arrête. Tu dis mon fils t'arrêtes l'école? Tu lui dis quoi? Concentre-toi, applique-toi, travaille mieux. Mais t'as le droit de t'arrêter quand même? Non. Mais pour repartir, par exemple, tu fais la médaille, t'es pour rien faire d'autre. Si t'as d'autres pensées, tu t'arrêtes.
Tu te concentres et tu te concentres. Mais là, le secret pour se concentrer, c'est Teva, c'est l'arche en hébreu. Mais ça veut dire aussi les mots. Les mots. Ouais. Donc, Bo à la Teva, ça veut dire viens dans, pas seulement dans l'arche, mais viens dans les mots. Viens dans les mots. Lis chaque lettre. C'est quoi ton problème là-haut? Rien, on est en cours. Il n'y a rien d'autre normalement. Bo est la cour. C'est quoi le problème? En plus, c'est la paracha. C'est pas où là? Exactement. Ah, c'est toi, calme-toi. Faut rentrer dans les mots de la Torah et de la Tefila. Et c'est ce qui peut te protéger. Alors on l'a dit tout à l'heure, le but c'est pas d'être un ermite. Le but c'est pas de s'immerger dans la Torah et de plus voir ce qui se passe autour. Ça, on a passé le message tout à l'heure. Mais le but c'est de savoir prendre des forces. Vous savez comment tu prends tes... Exactement, les forces on les prend dans la Torah. Avec la lecture, une bonne tefila. Et ben on passe une très bonne journée. C'est psychologique. Pourquoi moi j'ai bien prié, j'ai pas vu... T'imagines tu pries, quelqu'un t'a posé une liasse de 500 euros devant toi. Je l'apprends pas. Ça fait plaisir de prier, je prierai tous les jours comme ça. Et c'est pas instantané. Alors pourquoi tu me dis je prie, comme ça j'aurai une bonne journée? Après tout, on a tout à Rosh Hashanah, pourquoi ma prière va changer quelque chose? Parce que Dieu, il te donnera mesure pour mesure, et en plus, ta prière avec concentration, ou du moins avec plus d'effort que celle que tu as faite hier, eh ben, elle va t'apporter son lot de bienfaits. Alors tu dis, non, mais aujourd'hui je regarde ma journée, j'ai super bien prié ce matin, mais j'ai pas eu des super bonnes choses. Ok? Sache une chose, Dieu, il reste pas en dette. S'il y a bien une personne qui reste pas en dette, c'est lui. Et crois-moi, ta prière, elle est pas gratuite. Hein, Moshé? Si tu peux baisser les bras, ça ferait plaisir à tout le monde. Que du mytho. C'est vrai que j'ai des dettes à te rembourser, mais les chaim, Moshé. Je m'appelle pas Dieu. Essayez, maintenant on a fait la Shemitah, on a passé la nouvelle année. Donc c'est ça le principe essentiel. Le principe essentiel, c'est de savoir qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on a dit le verset qui est dans Shir HaShirim extraordinaire. Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques, prononcé par le roi Shlomo. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Il y a des mots un peu particuliers, on dirait un livre un peu comme ça, romantique, bizarre. Mais en fin de compte, c'est vraiment la conversation que Dieu il a avec le peuple juif. Donc ça prend un sens très très singulier, un peu à l'eau de rose comme ça. Mais en fin de compte, c'est quelque chose de très particulier et très fort. Et dans Shir HaShirim, il y a un mot, il dit un mot extraordinaire, c'est « Maim Rabim lo yochlu lirbot et ahava ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il est où, Yoel Hentel? « Maim Rabim, des eaux nombreuses, lo yochlu ne seront pas capables lirbot et ahava, d'éteindre l'amour. » Mais comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'éteindre? Quoi, je m'allume, je suis un briquet? Oui, tu as brigué. Quand tu fais ton schéma Israël, c'est la base. Et la base, elle est simple. C'est pas beaucoup de choses. On te dit schéma Israël, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Pas vraiment. Est-ce que tu prononces bien ce que tu dis? Ça, c'est l'intérêt. Dans schéma Israël, il y a des mots où on dit tous les jours Ve'afta et Hashem elokecha, bechol levavecha, pranafshecha, pranodecha. Et tu aimeras Hashem ton Dieu, bechol levavecha, de tout ton cœur. Bechol levavecha, ça veut dire quoi, Adrien? De toutes tes forces. De toute ton âme, ou Bechol Modecha, et de toutes tes possibilités. Alors, il faut savoir comme ça. On peut des fois penser ces mots sans prêter cœur à ça. Mais on est obligé quand même de faire attention aux mots. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Bechol Modecha, de tout ton cœur, je dis à Hachem que je l'aime avec toutes mes capacités. Et en plus, on ne dit pas Libecha, on dit Levavecha, comme s'il y avait deux cœurs. Il y a deux cœurs, on n'a qu'un seul cœur, on n'est pas extraterrestre. Bon penchant, mauvais penchant. Âme vitale, âme animale, effectivement. Et les deux doivent aimer Dieu. Merci. Bravo. Donc, il n'y a pas les bons mots encore, Benjamin. Ça fait pas le coup, je suis. Ouais. T'as commencé trop tôt. Maintenant, on dit aussi, Bechol Nafshira de toute ton âme. Ça veut dire, pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, je suis. Animucham gam limsoret anefesh. Je suis prêt à sacrifier ma vie. Je suis prêt à tout donner pour toi. Je suis prêt à, voilà. Hachem, tu me dis ce que tu as envie. Ça veut dire quoi sacrifier sa vie? Ça veut pas dire aller sauter d'un pont et aller mourir. Hein. Sacrifier sa vie, ça veut dire ah là là, je suis rien. Il y a mon chanteur préféré qui passe son concert ce soir. Mais c'est vendredi, c'est Shabbat! J'ai fait un sacrifice. Calmez les passions. J'ai fait un sacrifice ou pas? Pierrot. Bien sûr, t'as marre. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une preuve. Dan, on fait Shabbat. C'est qui ton chanteur préféré? On fait Shabbat. Hein? C'est qui ton chanteur préféré? Il y en a plein. Allez, un que vraiment. Renaud.
Voilà, Renaud. Quoi, je connais pas. Mais Renaud, j'ai l'impression, Renaud est très. Je connais pas. Ok. Je sais pas, c'est vrai, au fond, je sais pas. Non, une seconde. Et Renaud. Renaud, il dit Dan. Dan. Et c'est conversion. Écoute. Je l'ai. Ah ouais? Dan, Renaud, il te fait comme ça, bon, il te faisait à l'époque. Il te dit, voilà, Dan. Écoute-moi bien. Je t'emmène. Je te fais une côtelette d'agneau, tu viens manger à la maison chez moi ce soir. Je te fais un petit et c'est vendredi soir. Je te fais un concert privé. Cacher. Un vendredi soir. On est des fous, on est comme ça. Je vais direct. Non, Khaled Shalom ! Ça va pas te parler comme ça ? Ça va pas faire des khaïms, redonne-lui, il sait pas ce qu'il dit. Excuse-moi, oh que t'es beau, excuse-moi. Attends, il est pas lui-même. En plein Shabbat, malade ou quoi ? On fera la côte d'Agneau. Ah, c'est pas pour Renaud. Ah, c'est pas pour Renaud, c'est pour la côte d'Agneau. Ouais, c'est pour Renaud. C'est pour les deux, tu m'as dit. Si je vois que Messi ou Neymar. Non, mais il est Neymar, on en a marre. Là, je te laisse là. Attends, il fait quoi là? Alors, et maintenant, Bechol, il reste un, c'est lequel le troisième? On a dit Bechol et Babecha, ou Bechol et Babecha, ou Bechol, Modecha. Bravo, de toutes tes possibilités. Oh, il est là, Biro. Ça veut dire que pour Dieu, Bechaim, il est tombé. Bechaim. Bechaim, il est tombé. Ah, il est le Racha. Le Racha, c'est le Racha. Le Racha, c'est le Racha. Par rapport à sa mort, au moment où il disait, c'est là que j'ai compris que. Béroc, finalement, de toute ton âme, c'est là qu'il a compris ce verset-là. Parce que. Jusqu'à la fin. Il a été sacrifice. Quoi? Ouais, il a été même très très bon. Mais enfin, ah, il a arrêté parti du martyr. Je reviens, mais bon, ils ont été. C'est l'histoire qu'on raconte ici à petit cours. Un peu, je sur Lady Martyr. Ah, il a fait chauffard. Comment il pas très déglorieux, mais enfin, on ne demande pas de mourir pour Dieu. Il était où? Ça, c'est absurde. Mourir pour Dieu, c'est une notion qui n'est pas dans le judaïsme. En tout cas, c'est bien. Mourir pour ses idées non plus. Et par contre, pour sauver la vie d'un autre juif, c'est quelque chose de. Oui, alors là, je peux mourir pour sauver la vie d'un autre. Il y a trois choses. De manière générale, ce qu'on appelle les harayot. Guimel Dvarim. Les trois choses, c'est Shfichut Damim, c'est tuer. On te demande de tuer quelqu'un. On veut que ce soit toi qui meurs que de tuer quelqu'un. Commettre un inceste, que tu préserves. Ou alors. C'est quoi la deuxième? Commettre un inceste. C'est quoi? Commettre un inceste. Et la troisième, c'est bien sûr l'idolâtrie. Maintenant. C'est quoi ces trois règles là? Hein? C'est quoi ces trois règles? Eh ben, c'est les trois choses pour lesquelles c'est marqué que Yarok ou le Yavor. Tu dois mourir plutôt que de se transgresser. Plutôt que de tuer quelqu'un d'autre, ce serait mieux que. Mais on n'est pas dans des cas de figure, c'est l'extrême. On est dans l'extrême. Non, on n'est pas question d'époque, c'est une question d'extrême. On n'est pas dans ces extrêmes là aujourd'hui. On n'est pas exposé à ça. Mais il y a eu des cas où il y a des gens que malheureusement, ils ont été. On ne va pas repartir toute l'histoire depuis l'origine, mais il y a eu des cas effectivement où les gens étaient confrontés à ça. Des périodes où les gens s'amusaient avec ce genre de choses. Où il y a malheureusement eu des haines extraordinaires qui amenaient à des vices pareils. C'est quoi le problème? L'idolâtrie. Bah, ça comme Edomor, c'était ça. Et les fils de Hana qui ont sauté plutôt que de. Qui ont préféré mourir. Ok, encore une fois, il faut savoir que. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a dit une seconde, Pierrot, on n'a pas fini. De toutes tes possibilités, ça veut dire quoi? Que pour Dieu. Je suis prêt à tout donner. C'est pas à ma vie là. C'est même mes moyens financiers. Oh. C'est pas à moi. C'est tout ce que j'ai, c'est pas à moi. D'ailleurs, à 120 ans, quand je suis enterré, je prends même pas une chaussette avec moi. Même pas une chaussette, même pas. Il y en a qui ont essayé. Ça, c'est bien. Ça même les chaussettes préférées. Rien. Et oui, on est prêt des fois à tout donner, même financièrement, mais matériellement pour Dieu. Ça dit, c'est pas pour donner tout à la tzedaka seulement. Hein? On va se rendre dire ça. Oui, il se tracasse de temps, il en a pas mal. On est en train de dire que des fois, c'est un sacrifice. C'est vrai. Que quelqu'un il doit des fois arrêter un travail parce qu'on lui demande de travailler Shabbat. Pendant que t'es vivant, pas pour trouver quelque chose d'autre. Et c'est un sacrifice matériel. Un pire autant entendu. Ça implique autant. Quelqu'un qui a un travail, on lui demande de travailler Shabbat. Et lui, il veut pas. C'est un sacrifice. Il sait que quand ça part un sale, ça va en pâtir. Mais il décide de pas travailler et d'aller trouver autre chose. Mais c'est pas évident. De toutes tes possibilités. Toi, on n'est pas juste à l'extrémité de dire pour chaque jeune. Mais attention, on est quand même sur des choses qui sont vraiment un investissement profond. Encore une fois, Michael, Michael, on revient à l'investissement. Il y a beaucoup de types produits qui ont beaucoup d'argent, c'est une punition, c'est pas un kit. Mais tu regardes, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils dépensent pas. Au moment où
C'est des rats, les Romains. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est une malédiction. Bien sûr, c'est une race rare, ça. Le mec, il ne sait pas pourquoi. Il va crever avec son oseille, il n'aura jamais confessé. Après, c'était une race. Alors qu'il sait très bien qu'il va crever dans une. Il n'est pas dans ces cas de figure. C'est horrible. C'est pas la dans ces cas-là, c'est horrible. D'histoire. C'est pas la réponse que tu nous as donnée. Là, pour le des mecs qui sont blasés, qui font du bien pour le temps. Oui, il y a eu des choses de fait. Mais on parle 20 ans, on parle de l'avenir, mais quand t'arrives à 60 ans, qui ont préféré mourir que de transgresser, de se prosterner devant une idole. Mais c'est une maladie. On était dans les cas extrêmes. Mais si on va dans les cas extrêmes, alors c'est on a rien fait du message. C'est l'avarice. Parce que ça ne veut pas dire que Dieu attend de moi. Parce que s'il m'a mis sur terre, c'est pas pour mourir. Aller voir 70 personnes là-haut. Et quand on regarde l'histoire de Samson. 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 On n'est pas concerné, on n'a pas de cheveux. Comment va maman? Quoi? C'était ta mère au téléphone? Non, mon frère de 3 mois d'écart. Ben, grand bonjour. Frère, ils ont donné 3 mois d'écart. En même temps, mais c'est vrai que c'est un peu... Ah, j'ai pas compris la blague. Donc effectivement, il y a eu des sacrifices. Et Shimon, il a décidé, c'est pas qu'il voulait vivre, il aurait préféré vivre. Il a décidé de détruire le temple des Philistins qui étaient au-dessus. Pour faire justice. Non, pour justement les empêcher de nuire après au peuple juif. Pour se venger. Non, c'est pas pour se venger. C'est pour les empêcher de nuire. Parce qu'ils étaient en train de faire la fête là-haut, mais ils se préparaient au combat. C'est et donc ils savaient qu'en faisant tomber. C'est même pas ce qui est passé. Il a dit Dieu, donne-moi la force de pouvoir finir, finalement, ses cheveux avaient repoussé, de pouvoir faire ce que je dois faire, même si je dois mourir. Donc c'est pas le même calcul. Il y a beaucoup comme ça. Rabbi Yosef Karo qui a dit c'est j'aimerais mourir en héros comme ça. Mais en fait, c'est pas l'idée. L'idée, elle est simplement de comprendre le message. Bechol levavecha. Ou bechol nafshecha. Ou bechol. Voilà, on va y arriver quand même. Mais Meodecha, de toutes tes possibilités, ne cherche pas loin. Cherche simple. Tous tes cœurs, c'est vraiment tes deux penchants. Investis-toi. Comme on dit, ça veut dire quoi, tous tes cœurs? C'est que je dis à Kachbourg que je t'aime avec tout mon cœur. Je m'investis dans toi. Bechol, nafshecha de toute mon âme, ça veut dire que je suis prêt à tout donner pour toi. Même un travail qui me plaît, mais on me demande de travailler Shabbat. Alors je vais pas accepter. Et bechol, meodecha de toutes tes possibilités, c'est être capable de pouvoir donner aussi vraiment les sommes, même si c'est important, ou l'investissement profond. Et qu'est-ce qu'on a dit dans Shir HaShirim? Que même les eaux énormes ne peuvent pas éteindre l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que c'est un feu. Vous savez, à l'époque, il y avait. Esh-tabid, tout cas dans la misbéar, même pas de nerf, esh, le feu. Nerf, c'est une bougie. Mais là, c'est sur le misbéar, sur l'autel, il y avait un feu qui était tout le temps en train de brûler. Et il brûlait même Shabbat, même. Ok, même partout. Mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a des choses qui ne peuvent pas être atteintes, même à cause des vents et marées, même à cause des tracas. Si tu es fort dans ta conviction, si tu es fort dans ton amour, dans ton avat Hashem, dans ton amour de Dieu, il n'y a personne qui pourra te contredire. Tout le monde va arriver avec ses théories. Le monde entier va se liguer contre toi. À qui tu ressembleras? Avraham à Ivry. Avraham à Ever. Lui, il était Avraham à Vinou. Il était Avraham. Il était seul contre tous. Le seul qui croyait en Dieu unique. Et tout le monde était entier contre lui. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Mais moi, je suis convaincu de ce que je pense. Pourquoi je suis convaincu de ce que je pense? Parce que c'est une Torah de vérité. Et je veux dire franchement les choses. La Torah de vérité, c'est moi-même, c'est ma personne. Tu ne peux pas m'enlever ça de moi. Et pour ça, il faut que ça soit en forme de feu. Donc, quand on fait Shema Israël. Pourquoi il était convaincu à ce moment-là, lui? C'est Dieu, il lui a parlé? Non, pas du tout. Il a fait une déduction de cause à effet. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle dans la racine, on appelle ça Ila Ve'alul. Parce qu'un contre tout, c'est en plus prendre. Ila, à l'âge, bon, c'est connu l'histoire. Quand il était petit, il a. Regardez, d'abord, il était comme son père et il avait mis des posters partout d'idoles dans sa chambre. Et oui, il y avait des posters. En marbre à l'époque. et donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas une chambre, c'était une tente. Mais bon. Et lui, il est parti et puis il a commencé à dire ah, je vais prier la lune. Elle est belle la lune ce soir. Ouh, elle est belle. Et elle, il a commencé à prier et d'un coup, il priait toute la nuit comme ça avec ferveur. Il voit que la lune. On va dire c'est pas un dieu. Normalement, un dieu, il reste tout le temps. Comment ça se fait qu'il s'en va? D'un coup, il voit le soleil. Waouh, ça fait mal aux yeux! Ah, lui, c'est sûr que c'est un dieu. Arrivé le soir, ah, 3 ans. Il y en a qui disent 40 ans. Il y a un ami qui dit 40 ans, mais les autres amis disent 3 ans. Un autre, le soleil, pareil, à la fin de la journée, il n'y a plus de soleil. Alors, il dit peut-être c'est le feu. Il allume un feu. Il a vu qu'il a plu et après le feu. Alors, qu'est-ce que
Qu'est-ce que c'est? Le vent. Et le vent aussi, c'était pas... Des fois, il y a du vent. Et alors, de cause à effet, il a dit, il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Sans savoir qui, quoi, comment. Et après, il a fait un test. Il était au supermarket de son père. Il y avait plein d'idoles en promo. Et il a fait le test que vous connaissez ouais, tous. On va étudier ça la semaine prochaine, de toute façon. Il a tout cassé. Il a pas tout cassé. Il leur a donné à manger. Il leur a donné à manger. D'abord, il y a une idolâtre qui est venue. Pendant la petite cloche, quand il rentre dans la boutique. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? La dernière nouveauté. Écoutez. La dernière nouveauté. Elle écoutez, moi j'ai une idole. Elle dit voilà, je viens me voir parce que. En fait, lui remplaçait son père qui était parti en voyage. Il s'est moqué d'elle, je crois. Ouais, il s'est moqué d'elle. Parce qu'elle est venue, elle a dit écoutez, j'ai eu un cambriolage à la maison. Et vous savez, chez moi, j'ai une idole qui protège des cambriolages. Et j'ai eu un cambriolage, ils m'ont volé des choses, mais ils m'ont pas tout volé. Et moi, je voudrais la remercier, cette idole. Comment tu vas faire? Il dit, je sais pas, est-ce que c'est bien si je lui donne un bol de farine, un truc, pour la remercier? Il dit, mais madame, pourquoi vous voulez vous remercier votre idole qui vous protège des vols, alors que vous avez quand même eu des choses qui ont volé? Mais vous avez raison. La dame, elle est partie, elle commence à devenir un peu croyante. Mmh. Personne n'y arrive comme ça avec un problème comme ça. Et après, avec son intelligence, c'est pas logique, ça marche pas. Et après, il a dit, attends, je vais faire un truc. Il y avait une grande idole. Son père, il a dit en plus qu'il faut servir les idoles, nourrir les idoles presque quand il n'est pas là. Mais les idoles, ça ne mange pas. C'est des statues de pierre. Bon, à l'époque, les statues de pierre, il y avait une influence. Aujourd'hui, on rigole, on voit une statue, tu crois que tu as envie de te prosterner devant. Mais à l'époque, c'était une tentation. Ouais, mais il y avait un vrai business. C'est comme Jésus-Christ. Non, mais à l'époque, non. C'était pas seulement l'image pour Jésus-Christ. Mais là, c'est pour les idoles. C'était vraiment quelque chose de. C'était avant. C'était comme aujourd'hui, on a l'argent pour les choses très vraiment. Une tentation extraordinaire. Okay. Donc il a pris un bâton et il a mis la farine un peu partout devant. Et d'abord, il a cassé toutes les autres idoles. Et il a laissé la grande idole avec le bâton dans la main. Son père est venu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Les idoles, ils ont commencé à se disputer. J'ai mis un bol de farine, j'avais pas assez de farine pour une statue. Et l'autre a voulu prendre, et ils ont commencé à se battre, et finalement c'est le plus grand qui a gagné, il a tout défoncé. La plus grande statue. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshé? T'étais là? Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu veux que la statue, elle peut pas bouger la statue? Elle peut rien faire! Papa, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et son père, il s'appelait Taré. C'est toi qui l'as dit qu'elle peut rien faire. C'est vrai, il s'appelait Taré. Terreur. Ouais, mais en français, c'est Taré. Ouais, bon, la traduction, elle est un peu... Mais en tous les cas, il faut savoir que la déduction, en tout cas, de la divinité, il l'a eu par l'apprentissage. Mais pour revenir au sujet principal, sachons une chose importante, le message important de cette paracha, c'est Bo El Ateva de rentrer dans l'arche, de s'investir. Investis-toi dans ta prière. Et oui, il y a un moment où il faut s'investir. Moi-même, je suis le premier, je regarde mon téléphone. Je ne le cache pas. Mais pendant l'Amida, il faut rester focus sur l'Amida. Pendant le schéma Israël, je reste focus sur le schéma Israël. C'est des moments particuliers. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est des choses très très fortes et très importantes. L'investissement qu'on doit avoir, se consacrer à des choses. Vous savez, des fois un enfant il vous raconte sa journée. Et c'est pour ça qu'on vous racontera tout à l'heure. Et lui il m'a embêté, il m'a tiré les cheveux. C'est bon. T'as besoin d'écouter ça, t'as des choses plus intéressantes à entendre. L'investissement, ça apporte beaucoup. L'enfant se sent considéré. Ta femme que tu écoutes, elle se sent considérée. Ton ami que tu écoutes, il se sent considéré. Ça change la donne. Par contre, quand tu écoutes pas vraiment la personne, t'es pas investi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la personne va se sentir bon. Il est ailleurs. Il est pas là. Bah, quand moi je parle, il aura besoin de parler, je serai pas là. C'est pas donnant, mais c'est stable pour comprendre que venir par contre, l'investissement c'est aussi dans la prière. Quand on a un problème, le premier endroit vers lequel on doit se tourner, c'est pas la police. C'est les mots de la prière. Alors on peut pas comprendre les mots. On peut les lire en phonétique, on peut les lire en français, mais de rentrer dans le sens des mots. Bo El Ateva, intéresse-toi aux mots. D'ailleurs, c'est souvent contre les pensées étrangères. Le conseil qui est, c'est de mettre le petit doigt sur le livre. Vous savez, le petit doigt, c'est pas le petit doigt. De mettre le doigt sur le livre et de suivre mot à mot. Pourquoi? Parce que ça te permet de te focaliser sur ce que ton doigt essuie. Et oui, ça marche aussi avec toi. Quand pour montrer le chemin à quelqu'un, tu fais comme ça. Et pour te montrer ton chemin à toi, tu fais comme ça. Et c'est pas si bête, parce qu'en fin de compte, on dit oui, les mots, je les connais par cœur, la prière. C'est vrai que tu les connais par cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça que tu connais par cœur. Il y a aussi beaucoup de choses de ta journée que tu penses par cœur dans ta tête. Et les idées, le cerveau, c'est la machine qui réfléchit 24 sur 24, 7 sur 7.
Donc le seul moyen d'éviter les mauvaises pensées et les pensées étrangères, c'est de s'investir véritablement dans la prière. Et comment on sait ça ?